Bonjour Monsieur Maël, pouvez-vous nous dire qui vous êtes et ce que vous faites? Je m'appelle James Maël, je suis anglais, mais je suis un archiviste à l'Université du Maine, et c'est un archive de la vie, de la culture, de l'héritage franco-américain. Donc je suis maintenant un peu francophone, je pense. Alors, vous êtes précisément au milieu des francophones aussi. Oui. Comment voyez-vous cette francophonie qui vous entoure? La communauté de Lewiston, dans laquelle je travaille, et il y a, dans la communauté, il y a 40, 50 personnes, des gens à un héritage franco-américain, et il y a beaucoup de personnes qui parlent le français. Dans la rue, dans les magasins, et c'est une culture française vivante, je pense. Mais j'espère qu'on peut revitaliser et encourager la francophonie dans les États-Unis. Est-ce que ça serait votre message aux francophones? Mon message est que j'aime le français, la langue française, et c'est la francophonie est une communauté diverse et une communauté vivante, et j'espère que c'est une communauté encordée. Je pense que c'est une communauté vivante et jeunesse, et je suis fier d'être une part de ça. Merci beaucoup. Ah, merci, monsieur.